Salut, on se retrouve pour la suite de ce problème. Donc là, on était avec Kulgan. Je suis sûr, il va dans la cuisine voler de la bouffe. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc en fait, soit notre choix c'est de rien dire, soit c'est d'aller à nuit. En fait, on n'a pas le choix. N'a pas un tirine, tout à l'heure. Ça ira bien comme ça. J'aurais pas dû prendre j'aurais pas dû prendre Oi. Parce que Oi c'est un perso de merde en fait. Hein. Là il est niveau 99 donc forcément. D'ailleurs, j'ai regardé hein, pour le bug du niveau 99, on peut rien faire. Ça peut arriver, ça arrive pas tout le temps, sur certains persos dont le niveau n'est pas fixe, mais basé sur le niveau de d'un autre perso. Et oui, il est basé sur le niveau sur le niveau du perso principal. Donc ça peut lui arriver. Il y a lui et 4 ou 5 autres persos. Ça peut arriver à Anita, moi ça me l'a pas fait. Ça peut arriver à d'autres persos qu'on n'a pas encore. Qui font partie des persos les plus puissants. Donc c'est assez marrant si en plus on les a à niveau 99. C'est des persos qu'on a tout à la fin. J'espère que ça va pas le faire sur tous les persos parce que c'est très drôle. Alors ça c'est Genshu, mais on peut pas le recruter maintenant. Un petit peu, ouais. C'est mal foutu, on voit pas où on peut aller. Voilà, donc ça sert à rien d'aller voir les marchands et tout. Parce qu'au final, ils nous vendent les mêmes trucs que quand on était là au début du jeu. Donc, ça sert à rien. Bon, la muse, ça se trouve juste en haut à droite, là. Et à droite de muse, c'est l'auberge du Dain Blanc. Ouais, c'est les mêmes ennemis, hein, qu'au début du jeu aussi. Ah ouais, la fameuse scène où on était au bord de l'arbre et tout. On a attendu que Joey revienne, je sais pas si c'est la peine. C'est une des meilleures scènes du jeu aussi.
Alors c'est là où il y avait la conférence de Boston Hill, là où on avait vu tous les dirigeants. Voilà. Voilà, et Zoé nous parle vraiment cette fois. Alors c'est abusé parce que il nous parle vraiment comme si c'était impossible. Mais ils expliquent pas, hein, sur pourquoi ils font ça. On a toujours Victor pour nous sauver, hein. Ouais, bon, c'était un plan comme un autre, parce que c'est un plan de bâtard, mais bon, c'était pour arrêter la guerre, mais il a fumé, lui, c'est bête, c'est un peu de ça. On avait Pelika ce qu'on a parlé. Alors, faut savoir que si on se rend, ça change rien. Victor, il fait claquer de temps et il arrive et il demande tout le monde. Alors, on va voir de quoi sont capables nos persos. Alors, elle est un peu stressée. Une bonne barre comme ça. Elle est très sympa. Voilà, c'est un loup-garou, hein, Bob. Bon, ça se voyait un peu. Voilà, et comme vous le voyez, oh, il est nul à chier, hein, c'est un des plus mauvais persos, quoi. Vous voyez, il fait moins de dégâts que mes autres persos.
Bon, même s'il a pas son arme augmentée au max, il est quand même level 99. Il a une force dégueulasse, quoi. C'est un perso qu'il faut pas jouer, quoi. Vous l'avez bien vu, ça. Hein. Il essaie de buter les gens, mais... Mais il est mauvais, quoi. On peut même fuir hein, en Lastia. Tellement ils sont pourris. Ah putain, on peut fuir mais on est obligé de combattre. Le combat se relance. Direct. On fait une connerie sur Victor parce que j'ai mis Rune Titan et double batte, ça sert à rien. Alors une putain ça paraît de faire un coup plus puissant. Et double batte ça paraît de taper deux fois donc au final ça revient un peu nous même. Je pense même que double batte c'est... ouais c'est... J'ai envie de mettre un truc passif. Bon, au moins ils ont compris qu'ils allaient mourir. C'est un peu bizarre de cette Filika comme comme bouclier quand même. Non, de tuer Filika devant ses yeux. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'elle a bouffé, c'est pas possible. Bon, ben voilà. On est qu'à 12 minutes, donc enfin 13 bientôt. Donc on va continuer. C'est quand même un petit enfoiré. Mais grave quoi. Enfin, de toute façon on sait qu'il va encore faire venir un petit peu nouveau. Mais bon, parce qu'il réfléchit avec sa tête, c'est tout. Bah non, je crois que je fais ça. On va aller. Je crois qu'il faut. Il me semble que le prochain événement. Soit les événements, soit c'est en se couchant, soit c'est dans la salle de réunion. Soit c'est à l'entrée du château. Ah ouais, voilà, c'est à l'entrée du château.
Voilà, donc c'est la suite de Necklord, hein, vous l'avez compris. Et on a encore Joey au cul en même temps, donc ça c'est chiant. Alors, il faut savoir hein, que là, Ridley, il parle et tout. Mais je crois qu'on l'aurait pas eu sinon, je suis pas sûr. Que faire, Poyou le pingouin. On va faire comme ça. On s'en fout, parce qu'on va changer le groupe. Ils ont pas l'air d'accord. Bon, on va le faire quand même. On va enlever Oi, parce que c'est une grosse merde. Voilà, on va aller là. On va refaire l'équipe. Il va bien falloir un moment que je vous montre un certain perso. Ah, quand même, faut qu'on batte. Bah, un peu pas de ça. Je cherche Kayley. Kayley. Vous allez voir, il est trop classe ce perso. Comme ça. On va faire peut pas avoir mieux. Oh, une personne. C'est combien d'argent on a fermé là? Que dalle. Bon bah ce qu'on va faire. Voilà Drake Mouse. Et puis on va s'arrêter là parce que c'est juste à côté pour aller. Ah mais non attendez. Non 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 je fais de la merde là. Bon. On va enlever Bob. De toute façon, on a vu de quoi il est capable. Il est fait, on l'a vu. Et après, ah non, pas de okay. Où qu'elle est, où qu'elle est. Enfin, où qu'il est, parce que c'est un homme, je crois. Ah, pas mal, ouais. Parce que je crois que, enfin, il y a un perso qu'on va recruter bientôt. Alors, je sais pas si c'est tout de suite, tout de suite. Mais faut Wakaba pour l'avoir. Donc, on va prendre Wakaba avec nous au cas où. Il fallait level 33, comme ça va nous prendre le niveau. Ok. Est-ce qu'il y a... Ouais. Est-ce qu'ils sont... Ouais, ils ont tout perdu, pardon. Bah on va se regarder là.
Donc ça se trouve tout au sud-ouest. Encore plus au sud-ouest que le village que le village Kobold. Voilà, donc on va sauvegarder. Et puis on va se retrouver à la prochaine vidéo pour la suite de la carte. Il y a Victor avec nous, on vit ce McLeod, forcément, et qu'il avait testé Star Wars. Ok. Donc bah on se retrouve pour la suite pour McLeod. À plus.